Salut tout le monde, c'est Nidoumi, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 15 de Mario Luigi, les frères du temps, comment allez-vous, hein? Moi je vais bien, 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 toujours dans cette série d'épisodes de l'île Yoshi, et on va devoir se taper le boss. Alors, go. Go go. Mon dieu, c'est Yoshi qui a muté. Ne fais pas de mal à ses œufs, laisse-les partir. Pardon de vous interrompre, je voulais juste voir si je pouvais vous être utile. Lol. En fait, ça fait très longtemps qu'il est dans ce ventre, mais il a aidé personne, donc... Et depuis qu'on est là, il fait son intéressant, hein. La réponse à tout. Hein, mon dieu. Hé hey! Bouche moustachue, ne reste pas là sans rien faire, sors-moi d'ici. Oh là là. C'est quoi ce truc? Oh là là. Oh là là là. Ça commence très mal. En fait, c'est un œuf avec un... J'ai pas un truc dans la bouche trop bizarre. Ça doit être son point faible. Cette tête d'œuf, comme c'est original. Ça fait quoi si on casse ses œufs? Ah, il en remet d'autres. Zut. Je lui ai pardonné le truc. Et si on faisait ça? Pour redétruire tous ses œufs en fait en même temps. Ouais, un Yoshi. Oh, en plus il nous aide, c'est trop incroyable. En fait quand on aura cassé tous les œufs, ce qui va se passer c'est que les Yoshi vont sortir et ils vont lui envoyer une attaque fatale. Donc faut tous les casser, c'est très important. On va pas attaquer tête d'œuf, de toute manière il est protégé. Enfin ce qui me semble. Ok, toi t'es foutu. Ah le problème c'est que les œufs ils se... Bah les œufs ils restent pas longtemps en fait sur le terrain. Parce qu'ils les éjectent après. Ok, on va déjà casser ce qu'on peut. Un de plus, c'est incroyable. Ok. Peut-être que le marteau ça fera plus d'effet, non? Je sais pas. Ça va déjà... Ah non, bah en un coup, c'est bon. Encore un, encore un. Oui. Ça veut dire qu'il y a des milliers de Yoshi dans ces œufs. Évite de lancer celui qu'on a. Ouf, il lance pas celui qu'on a commencé à casser. Oui. Le coup de grâce, allez, mais quelle violence. Son point faible est à découvert, vite. Oh ce truc de sol. On va le bousiller mec, un canon, il fera du feu quoi. Oh, ce qu'on aurait pu faire avant c'est utiliser une fleur de... Une fleur de glace pour l'affaiblir et puis baisser par exemple sa défense, comme ça ça aurait fait vachement mal. Mais là c'est déjà 90 beaucoup. Des boules, mais d'où il tire des boules mec? Encore un canon. C'est pas mal ces boss en phase où faut d'abord faire quelque chose. Faut réfléchir un petit peu. Pas simplement attaquer comme d'habitude. Faut un peu réfléchir à ce qu'il faut faire. Utiliser une tactique, un point faible. Parce que là, si on lui aurait sauté sur la tête, on aurait mis 10 ans vraiment à le tuer. Alors, hop, Mario, Baby Luigi, Baby Luigi, ok. Ah, il a quand même de la ressource. Merde. Ouf. Ouf. Il faut le refaire une fois. Ça devait pas être suffisant. Quoi? Mais je l'ai eu de nouveau.
Je comprends pas. Bon. On va un peu soigner. Et là, on va utiliser un... Il commence vers le bas, généralement, donc... voilà. Comme ça, ça nous évite qu'ils prennent l'œuf qu'on veut détruire. Ils prendront jamais 4 œufs de toute manière. Ok, ça c'est dingue. Est-ce qu'il y a encore une pierre en haut? Oui. Vous avez vu comme il la pousse facilement. Puis après, il a besoin de 10 Yoshi pour juste la pousser de la falaise. C'est cheaté à mort. Ouais. Hop, et de 1. Et de 2. Ah oui, on peut les rattraper quand même. Ah, il vient... Il en prend de plus en plus parce qu'il voit que on les utilise à notre avantage. Mais ça, c'est un boss qui est très, très bien fait. Bon, regardez, là, on va rien lui faire. Deux dégâts, c'est nul, quoi. On est obligé d'avoir des œufs. Mario. Mario. Luigi. Ah, zut. Fail. Oh, il en laisse 15. Zut. Bon, vous me direz, hein. On n'a pas besoin de 10 partout. C'est cool, on peut en profiter pour soigner Luigi. On devrait bientôt être sorti de ce pétrin. Ouf. J'aime bien comme il ferme ses yeux pour viser. C'est rigolo. Mario, en fait, il est une grande attaque. Donc, il arrive à briser les œufs d'un coup comparé à Luigi. Ça, c'est très pratique. Allez. Oh, j'aurais pu l'affaiblir peut-être avec une fleur, là, maintenant. Comme ça, après, il serait tombé. Il serait été KO. Ah, bah enfin. Là, il est foutu. On lâche automatique. Que oui, dans ce jeu, je crois que un des derniers boss, il doit avoir dans les 1000 points quand même. C'est pas des boss de gnot-gnot. Hein. 1000 points, c'est quand même beaucoup pour un boss. Alors que nous, on en a même pas une centaine à la fin, quoi. Alors, canon. Mario, Luigi... Ah non, Bive et Mario, zut. Il est foutu, là, il est foutu. Même pas. Ah zut. Dégâts de chute. Tu vas mourir, oui, t'es d'œuf. Je lui traite de 4-9, il va se vexer. Alors, Mario, Luigi, ok. Oh, 114. Bam. Vous voyez, quand c'est un boss, y a vraiment de l'explosion partout. Ça fait boum, bada, boum. On a libéré les Yoshi, oui. Et on a gagné plein de super choses. PV. Wow, 6. Oh, truc de fou. Luigi, qu'est-ce que t'as, toi? Toi, il faut te monter... Oh, toi, t'as pas de choses très pressantes. Je vais te monter les PV aussi. Oh, cette animation, comme c'est violent. C'est violent, violent. Oui! Ah, on retourne à l'étage du dessous. Il y avait le caillou avant. C'est bon, alors. Oh, oui, je parie que ce trou conduit vers la liberté. C'est la sortie. J'ai eu peur, je me suis dit, un nouveau protagoniste entre en scène. Alors, toujours regarder. Parce qu'on sait jamais, il peut y avoir des fèves dans la salle. Tu viens avec nous? Je vais rassembler le reste des œufs, partez sans moi. Hein? Oui! Oh, on a dû louper un truc près du caillou alors. Il devait y avoir quelle sortie de ouf. Mon dieu. Ouais, alors on a loupé un truc. C'est dommage. Parce qu'en fait... en lui parlant, sûrement il allait chercher les Yoshi. Après on aurait pu aller... comment ça s'appelle vers le caillou, puis le pousser, puis il y aurait sûrement un objet. Bon, je sais pas. J'espère que c'est pas trop grave.
Eh bien, nous avons organisé une évasion éclair, non? Une évasion mouvementée pour échapper à une horreur rose. D'ailleurs, on dirait qu'il va pas très bien. Oh non, non, non. Pas sur nous, tombe pas. Ce monstroïde imposant ne bouge plus, hein? Tout porte à croire que les œufs alimentaient cette chose en énergie. Oui, c'est cela. Nous devons vite ramener ces œufs au village auquel ils appartiennent. Waouh, on dirait qu'ils savent qu'ils sont enfin de retour chez eux. Allez, suivez-moi. Ah, mais faudrait qu'on les arrose, sinon ils vont être comme ça toute la vie. Je propose de retourner au village pour voir ce qu'il se passe. Ah, j'espère que Boozer n'est pas trop grincheux, hein. On est quand même avec lui, finalement. Ah, on peut passer tranquillement. Mouahaha. Écoutez, lézard, c'est moi qui vous ai sauvé, moi. Alors montrez-moi votre gratitude et votre générosité. Merci, mon pote. Merci. Merci. C'est nous, ça nous que revient le mérite. T'as pas le droit de faire ça, Boozer. Grrr, ça ne va pas recommencer. Ne me dites pas que vous êtes venu pour les cookies. Je vais tous les dévorer sans vous donner le temps d'en toucher une seule miette. Mec, c'est un gros égoïste. Ah, bleh. Indigestion. Blaf. Vite. C'est magique. Il est incroyable. Oups. J'avais complètement oublié que j'avais mangé ça. Oui, ça reste intact. Attendez, que se passe-t-il? Ah. On dirait que c'est... C'est extraordinaire. Notre héros peut voler. C'est toi le meilleur. XD. Lol, PTDR. Vous avez récupéré le fragment d'étoile cobalt. Génial. Ces fragments stellaires détiennent un pouvoir pugilistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Faudra que je cherche. Mes bases de données ne contiennent rien sur le sujet. Je dirais que nous avons fait une découverte capitale. Je parie que le dessin de Toadbear renferme aussi quelques secrets spéciaux. Retournons à notre époque et allons voir le professeur. Retour à l'action. Votre attention, Yoshi. Ce sont ces hommes qui vous ont sauvé, pas cette poule mouillée. Il était enfermé dans un œuf pendant tout ce temps. Sérieusement? Oui, j'ai tout vu, du début jusqu'à la fin. Ces garçons sont géniaux. Oh, waouh. Merci les gars, sincèrement. Ouais. On peut retourner à notre époque, c'est génial. On a sauvé des Yoshi, c'est incroyable, on aura des cookies gratuits. Yes. Alors, je me demandais... est-ce que la durée des épisodes vous va à vous? Parce que... Faut dire, dans Mario Luigi Super Saga, je faisais des épisodes d'une heure, c'était presque trop long. Faut dire que tenir un public en attention pendant une heure, c'est impossible, quoi. C'était des épisodes trop longs. Et là, j'ai fait des épisodes de 20 minutes. Je me suis dit que ça allait bien. Et puis, c'était pas trop long à regarder. Il y avait, ouais. Vous voulez regarder sans avoir beaucoup de temps sur soi. Alors. Bon, par contre, vous avez vu l'étoile cobalt? Elle s'est attaquée à Boozer. On dirait qu'elle a une âme. Que, en fait, elle est fâchée contre Boozer parce qu'il l'a mangée. Et puis qu'elle a voulu se venger. Peut-être que cette étoile a une âme en fait. Tant de mystère. On va aller voir notre geek préféré, Monsieur Catastrophe. Mr. Catastrophe, come on, let's go. Ah non, il est là-bas. Alors toi. Enfin de retour parmi nous. Alors, vous avez trouvé des fragments stellaires? Vous en avez trouvé deux? Nous avons aussi le dessin que Toadbear a fait juste avant de perdre la mémoire. Ah. On dirait qu'il représente la princesse Zampi en train d'attaquer la princesse Peach. Oui, et la princesse Peach repousse cet affreux alien au moyen de l'étoile cobalt. Comme nous le savons, la princesse a perdu de ce combat. L'étoile était brisée. Comment tout cela a-t-il pu arriver? L'étoile cobalt n'aurait donc pas suffi? Ou est-ce que quelque chose d'inattendu et de terrible se serait produit?
Bref, vous devez trouver ces failles et collecter les fragments stellaires. À ce propos, une nouvelle faille est apparue au deuxième étage du château. D'après mes analyses, cette faille mène directement au château de Pix d'antan. Malheureusement, ce château est gardé par les Xampis, vous ne pouvez pas entrer. Il ne vous reste donc plus qu'à vous concentrer sur la collecte des fragments stellaires. Alors, il y a deux failles, donc en fait on pourrait faire le niveau dans l'ordre qu'on veut, ça c'est cool. Ah mais il y a les papillons bas, ils nous veulent quelque chose, ils vont nous apprendre sûrement une technique peut-être. Ce serait génial, sérieux. On apprend une technique, on la manipulation dans un monde. Vive les papis quoi. Oh, elle pleure toujours. Faites donc un effort. Nous devons faire preuve d'originalité si vous voulez faire plaisir à la princesse. Bien, allons-y. Mon dos. Oh, j'ai mal. Ouais, ils sont vieux, après ça. Alors, princesse, vous vous amusez bien, n'est-ce pas? Je dois dire que c'est la chose la plus bizarre qu'il m'a été donné de faire. Oui. Oh merde. Que dites-vous? Vous aimeriez apprendre notre mouvement? Eh bien, je serais ravi de vous montrer, mais mon vieux moi atteint ses limites. Aucune raison de s'alarmer, je vais bien. Ne dites pas de bêtises, vous êtes tout pâle. Préparez-vous. Pour la princesse, je sacrifierai volontiers ce vieux corps, allez. C'est rigolo, ils ont pas le même costume. C'était plus classe avant, papy. Je l'ai appelé la boule frère, parce que vous êtes frère et que vous formez une boule, ok. Technique requiert de la souplesse, de l'endurance et une ouverture d'esprit. C'est Maître Mario qui est censé commencer par ce mouvement spécial, donc. Passons aux choses sérieuses, et je vous prierai, messieurs, de ne pas faire de blagues. Ouais. Alors, commencez par appuyer sur R pour changer l'icône de Mario en boule frère. Appuyez ensuite sur A pour rouler en boule capitale, et pas si bizarre. Maintenant, utilisez la croix directionnelle pour que la boule roule dans la direction souhaitée. Rouler comme une balle, ça va plus vite que de marcher. Les collines, vous les gravirez en un rien de temps. Génial. En avant, messieurs. Ok. Donc faut être souple hein, pour faire ça. Alors, hop. Ah ouais, regardez, maintenant on a la vrille. La boule. Ouais, le truc, c'est que regardez, Luigi, il est plus grand que Mario, donc... C'est embêtant. Oh là là, ce que c'est bien. Oh, génial, montagne russe. Ah, il y a autre chose. En boule, vous pouvez rouler sous les bas plafonds. Si votre taille vous empêche d'avancer, changez-vous en boule. Ah ouais, les bébés, ils peuvent passer, mais nous pas. Donc, on change en boule. Tout va bien. Bon, on peut se baisser aussi. Ça coûte rien. Excellent. Je suis certain que vous saurez utiliser cette technique à votre avantage. Yeah. Vous n'aurez aucun mal à monter les escaliers menant à la plateforme d'observation. Je me souviens qu'une faille est apparue sur la plateforme d'observation. Je vous conseille d'aller enquêter immédiatement. Pour une dernière chose, la technique boule frère, ne peut-on pas l'utiliser pour faire tourner certains objets? C'est possible, il ne vous reste plus qu'à vérifier cette théorie. Oui, c'est ça, je suis sûr que vous pouvez tester votre nouvelle capacité là-bas. Ah, vers la machine, ouais. Drôle, ils nous disent tout. Relever des défis pour innover. Utiliser cette technique et les autres de manière créative. Ok. Attends. La princesse adulte a besoin de votre aide, messieurs. Ok. Donc. Alors là, il y a une faille, mais on doit pas y aller. On doit aller à une autre faille. Alors, je sais pas ce que ça fait si on y va, mais on va pas y aller. On va suivre leurs ordres. Et on va essayer d'activer la machine. Oh non, vous savez quoi, on le fera la prochaine fois parce que ça risque de prendre du temps. Oui, je change d'avis. Et puis, c'est pas grave. Hein. Nouvelle technique pour cet épisode très très sympa.
épisode 15. Deux fragments, il nous en reste 3. C'est dit donc. Alors, on se retrouve la prochaine fois. Je vous souhaite de belles vidéos. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Ciao tout le monde.